Alors, on est de retour, le câble est mis, on a tout désactivé, pas de Wi-Fi, c'est fini le Wi-Fi, ça ne m'intéresse plus. Alors, on va voir, on espère que tout va bien fonctionner maintenant. Les dictées continuent, bien sûr qu'elles continuent. Regardons. Alors oui, regardez. Ouais. Donc, la phrase que je vous avais donnée pour les dictées, c'était, alors je ne sais pas si vous l'aviez entendue, donc je vais la répéter, c'était savoir, c'est se souvenir. Savoir, c'est se souvenir. Allez-y, écrivez la phrase. Alors, apparemment, vous avez bien entendu, donc ça doit vouloir dire que la connexion est bonne maintenant. Regardez, on va refaire comme ça, comme d'habitude. Hop là. Donc, ici, on a deux verbes, hein. Enfin, on en a même trois si on regarde techniquement. Donc, savoir, et là, je pense que tout le monde l'avait trouvé, hein. On se souvient qu'en français, nous avons deux verbes. Pour exprimer la même chose, savoir et connaître. Donc ici, on cherche savoir, ensuite c'est, et puis finalement se souvenir. Faites attention, Judith, vous n'avez pas vraiment. Ouais, vous avez oublié le c'est, hein, et se souvenir, souvenez-vous, c'est la forme pronominale, hein, se souvenir plus loin. Méron, faites attention, savoir c'est venir, non, savoir c'est se souvenir. Mais c'était peut-être la connexion qui n'était pas très bonne. Sushmita, bonjour. Vincent, bonjour Sushmita. Annabelle, bonjour, bonsoir. On a eu des problèmes techniques, excusez-moi, mais là apparemment ça fonctionne. Viviane, savoir c'est se souvenir, c'est parfait. Bickert, ouais, regardez Bickert, hein, c'est regardez votre écran, savoir c'est, donc c'est apostrophe EST. Et puis après vous avez la forme pronominal se souvenir. Hein. Souvenez-vous, le verbe, c'est se souvenir. Je me souviens, tu te souviens, etc. Batoul, ouais, Batoul, c'était se souvenir. Savoir, c'est se souvenir. Alors, on va continuer avec une autre citation. Et c'était ici. Alors, voilà. Numéro 1. Restez toujours joyeux. Numéro 2. Restez toujours joyeux. Allez-y, écrivez la phrase. Alors Ashley me demande où j'obtiens mes phrases. Mais Ashley, c'est dans le même livre qu'avec les photos. Vous savez, il y a les photos d'un côté et de l'autre côté, c'est les phrases. Faites attention ici parce que rester toujours joyeux, c'est ce qu'on appelle de l'impératif, hein.
Alors, regardons maintenant ensemble. Si vous voyez à votre écran, vous verrez la phrase. Vous voyez que finalement, c'est très très court. La première chose, donc, c'est le verbe rester. Ici, c'est un conseil. Ça pourrait être un ordre, mais c'est un conseil. Donc, on utilise l'impératif. L'impératif ici, donc, ça veut dire que normalement au présent, c'est vous restez, mais là, on enlève le vous et on met juste notre forme rester. Toujours, bon, apparemment, il n'y a pas de problème pour toujours. On est d'accord, à la fin, il y a un S, donc T-O-U-J-O-U-R-S, ça c'est d'accord. Joyeux, joyeux, il est complexe. En général, beaucoup de personnes ont des difficultés à l'écrire. Regardez bien comment on l'écrit, hein. Donc c'est vraiment J-O-Y-E-U-X. Joyeux, joyeux, joyeux. Celui-là, il est pas facile. Alors, Sushmita l'a réécrit. Ashley, qui nous a donné énormément de versions différentes. Berilla, qui nous a mis le féminin, joyeuse. Alors, on le prononce, Berilla, on prononce un petit peu différemment. Hein. Si c'est le masculin, c'est joyeux, E-E-E à la fin. Si c'est le féminin, c'est joyeuse. D'accord, donc Batoul qui a écrit joyaux, donc A-U-X, faites attention, c'est pas A-U-X, mais c'est vraiment E-U-X. Hein. Le son, c'est vraiment E à la fin, hein, et on écrit E-U, et le X final qu'on n'entend pas. Très bien, alors on continue avec la prochaine phrase. Attention, première lecture. Il n'y a pas de hasard. Deuxième lecture. Il n'y a pas de hasard. Allez-y, s'il vous plaît. Alors, je vous mets la forme à l'écran. Il n'y a pas de hasard. Donc là, quand je regarde maintenant, faites attention à Ashley parce que vous avez changé. Il faut utiliser l'ordinateur à un moment. Hein. Donc, il n'y a pas. Donc, il, N apostrophe, Y. Faites attention, Bickert, c'est dans le mauvais ordre. Alexandra, attention, apostrophe après le N. Il, N apostrophe, I, espace, A. Bon, pour les autres, Méron, attention, il n'y a pas de hasard. Hasard, regardez en français, on n'écrit pas ça avec un Z, mais on écrit ça avec un S. Et puis, on met un D à la fin, mais je ne sais pas si tout le monde, si à peu près tout le monde l'avait mis, le D à la fin. Donc, il n'y a pas de hasard. Très bien. Donc, souvenez-vous, hein, S pour le
hasard, et puis il n'y a pas, essayez pour ceux qui ont des difficultés, essayez de mémoriser l'ordre des mots, hein, et puis n'oubliez pas l'apostrophe. Très bien, on continue. Alors, j'avais... Oui, ça c'est pas mal. Numéro 1. Savoir écouter est un art. Numéro 2. Savoir écouter est un art. Et pour Birella avait oublié d'activer le son. Birella a écouté. Numéro 3. Savoir écouter est un art. Allons-y. Alors, vos réponses commencent à arriver, donc on va faire comme d'habitude. Je vais vous donner la forme correcte ici. Donc, on avait savoir, donc là il n'y a pas de problème, tout le monde l'a trouvé. Écoutez, faites attention, on a le son ou, ça veut dire qu'on aura la combinaison des deux voyelles O et U. Donc, écoutez. Attendez, je ne sais pas. Oui, Ice Cube, faites attention. Ice Cube, c'était écouter. O-U. Hein, je regarde pour les autres. Je pense que c'était à peu près clair. Faites attention, Judith. Judith, comme écouter est deuxième, en deuxième position, hein, vous le mettez à l'infinitif aussi. Hein, savoir écouter est un art. Donc, après, c'est le verbe être. Là, il n'y avait pas de problème. Un, ça doit être masculin. Je fais la liaison, donc éteint, éteint. Et après, je fais même la liaison entre un et art, un art. Donc, savoir écouter est un art. Savoir écouter est un art. Diego, c'était bon. Attention, Diego, juste l'accent dans l'autre sens. Hein. C'est un accent aigu. Alexandra, ça va. Batoul, pas de problème. Fengui, faites attention. Ouais, si vous pouvez mettre l'accent ou peut-être pas. Si vous n'avez pas l'accent, c'est OK. KL, d'accord. I just called, faites attention. Ouais, même chose, accent aigu dans l'autre sens. Viviane, c'est bien. Donc Ice Cube, c'était le O. Annabelle, ça va. Yitchi, c'est bon. Savoir écouter est un art. Save the best. Bon, les autres, ça a l'air d'être à peu près correct. Faites attention, Bickert. Savoir écouter est un art. Mais vous savez, comme je fais les liaisons, c'est ça la difficulté, hein. Est un art. Est un art. Très bien, nous continuons. Première lecture. Imaginer, c'est choisir. Deuxième lecture. Imaginer, c'est choisir.
Alors, effectivement, là, hein, puisque c'est aussi ça la difficulté des dictées, regardez, je vais le copier et le coller ici, comme ça vous verrez tout. Ben, ici, oui, Ashley pose la question, il y a certaines personnes qui ont écrit c'est, CES, hein, comme le démonstratif, c'est. Mais en fait, ce serait pas vraiment logique, c'est-à-dire qu'ici ça doit être le verbe être, hein. Imaginer, virgule, c'est, et après c'est le verbe choisir. Et voilà, vous avez trois verbes, hein. Ça fait plaisir à certaines personnes qui aiment mettre beaucoup de verbes dans les phrases. C'est possible, donc imaginer, là c'était l'infinitif. Je pense que tout le monde l'avait trouvé, ouais. Enfin, en tout cas, quand je regarde vos réponses, je crois que c'était clair pour tout le monde. Donc ça, c'est bien. Imaginez, c'est bon. Après, on a le verbe. Le verbe, c'est le verbe être. C'est. Donc c'est apostrophe EST. Faites attention, Berilla, c'était pas ce, mais c'est vraiment c'est. Hein, c'est apostrophe EST. Et ensuite, juste le verbe choisir à l'infinitif. Là, c'est pareil. Hein. Tout le monde l'avait bien écrit, je pense. Je suis en train de regarder vos réponses, mais ouais. Tout le monde l'avait bien écrit, choisir. Donc là, il n'y avait pas de difficulté. La seule difficulté, oui, c'était c'est. Donc c'est apostrophe EST, c'est le verbe. Très bien. Allez, on va continuer. Elles sont intéressantes ces citations parce que c'est très court. C'est finalement des mots que vous connaissez, mais des fois les constructions sont un peu complexes. Alors, attention, attention, nous continuons avec celle-ci. Première lecture. Plus on sait, plus on doute. Deuxième lecture. Plus on sait, plus on doute. Alors, commencez à écrire. Julia pose une question. Est-ce qu'il y a une différence entre c'est et c'est? Non. Et même, Julia, si vous écrivez S-E-S, c'est la même prononciation aussi. C'est ça la difficulté. C'est qu'on les prononce de la même façon, mais on les écrit différemment. Donc, souvenons-nous. Hein, donc la phrase, je la répète une troisième fois. Plus on sait, plus on doute. Je ne fais pas la liaison parce que je suis très très gentil. Alors, je vous laisse continuer un petit peu. Je prends juste le temps de regarder ce que vous écrivez. Bah écoutez, globalement, ça va pas trop trop mal. Ouais, alors regardez. Ici, c'est la même chose. Je vais vous le mettre maintenant. En fait, on a. Là, c'est la même chose que tout à l'heure. D'ailleurs, Julia, ça c'est aussi pour vous répondre. Le verbe savoir, ici, on le prononce de la même façon, c'est. Donc, on a le plus. Donc, ça c'était bien, il n'y avait pas de problème. Le on, je pense que tout le monde l'a à peu près trouvé. Plus on. Faites attention, I just called. Ouais, I just called, vous avez mis une, mais en fait, non, c'est on.
plus on sait. Alors là, oui, c'était la difficulté, puisque finalement, on peut l'écrire de beaucoup de façons, hein, on a découvert ça. Ici, finalement, c'est le verbe savoir, hein. Plus on sait, donc le verbe savoir, troisième personne du singulier, virgule, même structure, plus on, et après on finit avec le verbe douter, régulier, premier groupe, troisième personne, DOUTE. D'accord? Plus on sait, plus on doute. Bon, la plupart l'avaient trouvé. Faites juste attention parce que là on est vraiment dans les nasales avec le on. Hein, faut vraiment que vous identifiez le on. C'est pas une et c'est pas en comme certaines personnes l'avaient écrit. Donc c'est plus on sait, plus on doute. Ben écoutez, maintenant c'est bon. On continue avec un autre. Ça c'est un classique aussi. Je pense que ça peut être intéressant. Ouais. Première lecture. L'oubli est une grâce. Deuxième lecture. L'oubli est une grâce. Allez, prenez une minute pour m'écrire ça, s'il vous plaît. Regardons, regardons. Ziad qui voulait faire de l'humour. attendez, regardez. On va vous le mettre ici. Voici, voilà. La plus grande difficulté ici, et il y a beaucoup de personnes qui ont fait l'erreur. Alors, nous sommes d'accord que le verbe, c'est oublier. Verbe régulier, premier groupe. J'oublie, tu oublies, il oublie, nous oublions, vous oubliez, ils oublient. Faites bien attention parce que ici, en fait, on veut le substantif, c'est-à-dire le nom. Donc le nom, on ne l'écrit pas avec un E final, mais on l'écrit juste avec un I, comme ça. C'est masculin, un oubli, donc ici, le oubli, le E va disparaître, apostrophe. L'oubli est une, alors faites bien attention, j'avais bien prononcé une, hein. Un, c'est masculin, nasal, une, c'est féminin, donc automatiquement féminin, grâce, bon l'accent circonflexe, c'est vous qui décidez, mais si vous ne le mettez pas, c'est pas la fin du monde. En tout cas, bon, il devrait être là, mais ça c'est négociable. Et c'est pas vraiment le plus important. Donc l'oubli
est une grâce. Alors, si vous avez écrit oubli avec un E final, bon, c'est une erreur, mais c'est pas grave parce que finalement, on ne le prononce pas. Donc, les gens vont comprendre, hein, c'est pas un problème, mais normalement, il n'y a pas de E final. Très bien. Attention pour le suivant. Alors, la citation suivante, c'est une citation, assez courte aussi. Ok. Donc, deux lectures, comme d'habitude. Première lecture. Qui perd, gagne. Deuxième lecture. Qui perd, gagne. Allez-y, s'il vous plaît. Alors, regardons ensemble, ça aussi c'est un grand classique, hein, des citations, donc logiquement, je suis en train de regarder vos réponses. Donc, on commence avec le qui, ça il n'y avait pas de problème, tout le monde l'avait. Souvenez-vous que quand on utilise ce style de structure, qui est suivi d'un verbe, ce sera la troisième personne du singulier. Donc ici, notre verbe, c'est perdre. Vous le conjuguez à la troisième personne du singulier. Je perds, S. Tu perds, S. Il perd, D. Pas de S. Donc, on n'a pas de S après le D. Donc ça, c'est clair. Qui perd? Et ensuite, vous avez le verbe gagner. Verbe régulier, faites attention quand on l'écrit. Viviane, faites attention, vous avez mis le N gagné. Oui, il y a un N supplémentaire. C'est pas nécessaire d'avoir... Vous êtes trop généreuse, Viviane, vous êtes généreuse. Donc, G-A-G-N-E, troisième personne. Donc, qui perd, gagne. Voilà. Ashley qui dit oui, donc oui, bah, ça, non, mais la connexion était probablement bizarre, mais là c'est peut-être vos oreilles, c'est possible. Très bien. Alors, Ziad Ziad qui veut être celui qui met de l'ambiance dans ce cours, puisqu'il nous dit que c'est une histoire de poids. C'est pas vraiment une histoire de poids, c'est une philosophie, hein, une façon de voir la vie. Attention, attention, la prochaine, elle va être un petit peu difficile, donc je vais la lire trois fois. Première lecture. Une image vaut mille mots.
Deuxième lecture. Une image vaut mille mots. Troisième lecture. Une image vaut mille mots. Allez-y. Alors, regardons ensemble. Donc, encore une fois, on va les copier ici. Ce sera beaucoup plus clair. Donc, regardons. Bon, la plupart d'entre vous, c'était pas un problème pour une image. Faites attention, Ziad, vous étiez un petit peu rapide. Vous avez oublié le E à la fin de une. Alors, ensuite... Ça, c'était pas un problème, ouais. Donc, le verbe qui suit, et c'est un verbe qu'on avait vu déjà, c'est un verbe qui est pas facile, c'est le verbe valoir. Valoir, troisième groupe, et lui, il est compliqué à conjuguer, parce que vous voyez ici, bah, finalement, la troisième personne du pluriel vaut. V-A-U-T. Et donc là, c'est vraiment... Le verbe, c'est valoir. Hein. Donc, une image vaut. Alors là, il y a plusieurs personnes qui ont fait l'erreur. Je vois Meron, je vois Sincitu, je vois Save the Best aussi. Je vois... oui, attendez, je regarde. Les autres n'ont pas vraiment répondu. Ou est-ce que c'est moi qui ai des problèmes de vue? Ah oui, Julia, faites attention, c'était vaut, hein, donc V-A-U-T, pour les autres. Ouais, veut, Ice Cube a dit veut, mais c'était vraiment le vouloir, le verbe, c'était pas vouloir, veut, mais c'était valoir, une image vaut. Ensuite, mille, bah écoutez, là je pense que c'était à peu près clair pour tout le monde. Mot, on n'oublie pas le pluriel, Meron avec un S à la fin, ce serait idéal. Les autres, je crois qu'ils ont tous mis des S, je regarde. Ouais, donc c'est à peu près, c'était bien. Une image vaut mille mots. Allez, on va continuer avec un grand classique aussi. Attention, deux lectures. Première lecture, les murs ont des oreilles. Deuxième lecture, les murs ont des oreilles. Allez-y.
Alors, je commence à regarder. Judith Guy dit qu'elle a perdu la tête. Mais non. Alors, il n'est pas facile cet exercice, mais je pense que c'est toujours intéressant de temps en temps de faire des dictées. Regardez. Ici, les murs. Donc là, les murs, je pense que tout le monde l'avait à peu près trouvé. Bickert, faites attention, mur, en fait, il n'y a pas de circonflexe. Mur, MU. R, et puis là on met le pluriel donc avec le S. Donc comme on a le pluriel, Yichi, on doit mettre le verbe au pluriel. Donc notre verbe c'est le verbe avoir, hein, qu'on va conjuguer à la troisième personne du pluriel. ONT, on, les murs, on. Et puis après on va avoir des oreilles. Donc j'avais fait la liaison des oreilles. Ça, à peu près tout le monde l'a trouvé. Je regarde vos réponses. Ouais, Bickert avait entendu deux oreilles. Faites attention, c'est pas deux, mais c'était des. Donc c'est vraiment ici le pluriel, un, une, des. Bon, bah pour le reste, je pense que c'était à peu près bon. Regardez, ça, ce sera la dernière citation. Je vais la lire trois fois. Première lecture. Un cœur patient est un cœur triste. Deuxième lecture. Un cœur patient est un cœur triste. Troisième lecture, un cœur patient est un cœur triste. Allez-y. Alors, regardons ce que vous m'avez écrit. Donc, la première chose, un cœur. Bah, écoutez, ça, je pense que la plupart, ouais, c'était bien. C'était bien, c'était même parfait. Un cœur, ça, c'est bien. Ensuite, on a, c'est l'adjectif patient, hein. Patient, le substantif, c'est la patience. Mais ici, donc, c'est patient. Donc, PATIENT. Certaines personnes ont écrit autre chose. Berilla nous a mis passionné. Victoria nous a mis passion. C'était pas la seule à faire cette erreur-là. Faites attention. Ouais, Abir, vous avez mis passion aussi. Hein, faites attention, passion et patient. Finalement, la seule nuance, c'est la nasale. Vous avez entendu yon, 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 yon. Et moi, j'ai prononcé yan 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 yan. D'accord? Passion, patient. Donc ici, c'était patient. Un cœur patient. Donc après, c'était le verbe être. Être un cœur triste.
Donc ça, c'est l'adjectif triste. Triste, en général, il n'est pas problématique. Vous l'avez bien écrit. Donc un cœur patient est un cœur triste. Voilà. Aujourd'hui, alors on a eu des petits problèmes techniques et en plus je dois finir beaucoup plus tôt parce que je dois emmener mon fils sur mon vélo quelque part et je suis en retard déjà. Donc vraiment, vraiment, je dois y aller. Merci beaucoup. Regardez, comme d'habitude. Alors attendez, attendez, c'est là. On remonte. Voilà, ça c'est le programme d'aujourd'hui. Je lancerai les quiz dans 15 minutes à peu près. Et ça ne bloquera pas Victoria, pas de problème. Si on ne sait jamais ce qui se passe, hein. La vie est imprévisible. Merci beaucoup, c'était très très sympathique. Rendez-vous tout à l'heure. Allez, bonne journée, bonne matinée, bonne nuit, bon après-midi, c'est comme vous voulez. Thank you.